ici avec vous aujourd'hui, c'est parce que je suis très en colère. Très en colère doublement. D'abord sur la méthode, avec une annonce qui était une brutalité inacceptable, et que on ne traite pas nos aînés comme de la marchandise. On ne traite pas les familles comme de la marchandise. Et on ne peut pas considérer qu'un EHPAD, c'est une industrie comme une autre. Or, on sait très bien que derrière la logique de ces groupes, il y a une logique financière. Et la deuxième raison pour laquelle je suis là aussi, c'est parce que je crois qu'on est vraiment à la croisée des chemins avec la fin d'un système. Romain le disait tout à fait, c'est là quand même très symbolique que vous soyez là, et toutes ces écharpes que je vois, ça réconforte, mais en même temps, c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans le combat, mais ça veut dire quand même qu'un territoire est capable de se mobiliser, un territoire est capable d'être acteur de sa propre politique sociale, et je crois que c'est important que ce territoire négocie avec le département, avec l'ARS, et une politique sociale, ça doit venir du bas. Ça doit venir des responsables locaux, des élus locaux, comme le disait Christophe tout à l'heure. Et donc ça appelle à une nouvelle gouvernance. On ne peut pas avoir une politique sociale et une politique des aînés qui tombent du national vers les territoires. Et on ne peut pas confier l'avenir des aînés à des groupes qui ont des logiques financières et pour qui une commune par-ci ou une commune par-là n'a pas beaucoup d'intérêt et qui réagissent par rapport et qui résonnent par rapport à une logique nationale financière. On a conduit une mission d'enquête à laquelle faisait référence Romain au niveau du Sénat avec les scandales justement des EHPAD. On va continuer ce travail-là et en tout cas, nous, on est porteurs d'un autre modèle de gouvernance partagée avec les élus, avec le conseil départemental dont c'est une des compétences essentielles, avec l'ARS qui est quand même logiquement le garant d'une cohésion sociale sur les territoires, en tout cas c'est une mission, et une mission de service public ne peut pas être confiée à un acteur privé n'importe comment et sans contrat. Et comme tu le disais très justement, quand on prend un établissement en 2018, on sait dans quel état il est, et c'est pas pour qu'en 2023, tout d'un coup, on découvre qu'il y a des problèmes. Quand on prend un établissement comme celui-là, on s'engage sur un plan de financement, on s'engage sur une continuité, et moi, je vois trop que dans la stratégie, il y avait une stratégie de récupérer un EHPAD pour le vider peu à peu, et ensuite rentabiliser des unités beaucoup plus importantes ailleurs. Et ça, c'est inadmissible, parce que comme vous l'avez très bien dit, madame, le choix des familles, c'est avant tout un choix de proximité et c'est un choix de convivialité. Et moi, je pense que l'avenir, c'est d'une part vers des établissements qui sont co-gérés par les acteurs locaux et les acteurs de gestion, et puis la deuxième chose, ce sont des petits établissements distribués sur le territoire pour assurer à tout le monde une fin de vie qui est une fin de vie digne. Et je pense que c'est l'un des enjeux essentiels de notre société. Vous le disiez, moi ce que je demande, c'est un peu d'humanité dans la politique pour nos aînés. Merci.